Allez. Et merde. Deuxième. Casse la tête ce jeu. Hey, au menu de ce Sam Mercato numéro 4, la France, l'Espagne et l'Écosse. On commence avec le Real Madrid. Bientôt, les supporters vont devoir mettre leur petit bulletin dans l'urne pour élire leur nouveau président. Et sans grande surprise, ça va être Florentino Pérez qui va encore être élu pour une énième fois. Alors, le président du Real Madrid a annoncé de grands joueurs. On annonce, comme vous le savez, Eden Hazard et Kylian Mbappé. Alors, Eden Hazard, ça pourrait se faire. Par contre, Kylian Mbappé, la tendance semble plutôt à un achat, puis être prêté dans la foulée à l'AS Monaco. Et on part chez le rival du Real Madrid à l'Atlético en vous parlant de Kevin Gamero. Alors il y a un sacré problème aujourd'hui autour du joueur. Comme vous le savez, il a été blessé pendant de nombreuses semaines. Alors le staff médical lui a dit non, tu es plus blessé, tu peux reprendre l'entraînement. Alors il y a eu aujourd'hui une erreur de la part du staff médical, puisqu'après il est parti en France se faire analyser par un médecin français qui lui a dit qu'il ne pouvait pas reprendre l'entraînement. Alors lorsqu'il est revenu dans son club, on lui a dit excuse-moi mon petit Gamero, on pensait que tu n'étais plus blessé, on va t'offrir en échange une titularisation lors des demi-finales retour de la Ligue des Champions, tu vas jouer mon petit, ne t'inquiète pas. Alors problème, il n'a pas joué, et en plus il n'a pas du tout apprécié que Alexandre Lacazette et Ramirez s'engagent ou devraient s'engager avec le club prochainement. Du coup ça le pousse aussi un peu plus vers la sortie. Alors aujourd'hui il y a deux pistes qui s'offrent aujourd'hui à Kevin, celle menant en Espagne qui aurait la préférence du joueur, il aimerait bien rester en Espagne. Et puis surtout, on apprend aujourd'hui que l'Olympique Lyonnais se serait intéressé de près à son cas. Alors il y a un vrai problème, c'est son salaire qui est de 400 000 euros par mois et son contrat, lui, chez les Colchoneros, il court jusqu'en 2020. Justement, puisqu'on parle de l'Olympique Lyonnais avec un intérêt pour Kevin Gamero, sachez que le départ de Mathieu Balbuena est acté et comme on vous le disait précédemment dans Sam Mercato, ça semble se diriger vers la Turquie à Fenerbahçe plus précisément. Allez, on file maintenant en Écosse, fait assez rare, et on va évoquer un joueur dont on ne parle pas du tout et pourtant qui va être très prisé durant le mercato estival, c'est Moussa Dembélé. Alors, a priori, le dernier prétendant se nomme Borussia Dortmund. Il y a aussi le FC Séville et Manchester United et Tottenham qui est sur le joueur, en tout cas qui est très très demandé après une saison incroyable avec les Celtic Glasgow. Alors peut-être vous l'avez vu notamment dans Téléfoot, Areola a déclaré « Oui, le PSG cherche un gardien, etc. Moi je veux pas être numéro 3 ». En tout cas, ce que l'on sait, c'est que Entero Henrique, il est très intéressé par le gardien du Milan AC. Donnarumma. Alors, il n'a pas encore prolongé avec le Milan AC et le club Rossoneri lui a même mis un ultimatum pour prolonger, sinon ils le vendent. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Entero Henrique, le nouveau directeur sportif du PSG, apprécie le profil du portier italien. Enfin, je voulais pas présenter au début de chronique, mais il y a deux infos en Italie importantes. C'est Filippo Inzaghi d'abord, le coach de la Lazio qui a prolongé, et surtout, c'est que Francesco Totti a reçu une offre de la part de Pescara pour un essai et pourrait éventuellement évoluer en série B puisque le club a été fraîchement relégué. N'hésitez pas, encore une fois, je vous le répète, à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag SamMercato. Posez-nous toutes vos questions, laissez-nous vos messages pour qu'on puisse éventuellement contacter un petit peu les agents à droite à gauche et vous avoir quelques infos intéressantes pour le prochain numéro. Salut !